Тут есть ребята с серьезным ростом. Сане, Куете, Дьяне, подача. И в свои ворота... Вышел на замену как раз перед компенсированным временем, мяч в ворота отправил. А здесь Хасен просто пролетел мимо мяча. Посмотрите, не рассчитал. Может быть, прожекторы осветили еще какая-то проблема. Но просто не попал по мячу Хасен. Мяч попадает в спину. Bonsoir les amis et bienvenue sur DZ Vision. Aujourd'hui on va faire juste une petite analyse concernant les demi-finales entre le Sénégal et l'équipe de la Tunisie. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à DZ Vision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. C'est parti. Le Sénégal, la Tunisie, on se demandait qui allait se qualifier. Mais c'est confirmé, le Sénégal se qualifie en demi-finale. Avec qui, on ne sait pas encore, parce que pour l'instant, l'autre rencontre n'est pas encore jouée entre l'équipe nigériane et l'équipe de l'Algérie. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, le match qu'on a regardé aujourd'hui, c'est un très très bon match. Parce que toutes les deux équipes ont donné le maximum. Mais malheureusement, pour les Tunisiens, ils n'ont pas eu la chance de passer en demi-finale. C'est les Sénégalais qui ont passé grâce à un autogol d'un joueur de l'équipe adverse. Mais ce qui est sûr, vraiment, c'est un match qui était vraiment, vraiment chaud. Parce que, imaginez deux pénalties ratées, c'était incroyable du tout. Parce que, même moment, quand la Tunisie a eu les pénalties, je croyais que je n'avais plus d'espoir que le Sénégal allait passer. Vice versa, quand le Sénégal aussi a eu à l'air tout le pénalty, je me suis dit ça et c'est bon, la Tunisie est éliminée. Et c'était vraiment incroyable que ces deux équipes, tous deux, arrivent à perdre des pénalties. Une telle rencontre, c'était vraiment incroyable. Surtout en demi-finale, rater deux pénalties, c'est vraiment quelque chose de malheureux pour cette équipe tunisienne parce qu'ils n'ont pas pu passer en demi-finale. Mais c'est question, c'est vraiment une chance pour le Sénégal parce que avoir un but comme ça là gratuitement, c'est vraiment une chance parce que l'équipe adverse, vraiment, ils ont très bien joué. Tous deux, ils ont joué, mais rien n'était gagné. Rien n'était gagné jusqu'à ce que le Sénégal a eu ce coup franc qui les donne vraiment la victoire. Mais il faut féliciter cette équipe tunisienne aussi parce que vraiment, ils ont joué. Ils ont joué jusqu'à la fin. Et c'est juste la chance qui les manquait, mais ils ont quand même très bien joué. Et maintenant, on saura aujourd'hui, ce soir, les deux autres équipes qui vont jouer tout à l'heure, le Nigeria et l'Algérie, qui aussi va décrocher son ticket pour les finales, qui va rencontrer le Sénégal le 19. Rien n'est encore sûr, mais on leur souhaite quand même bonne chance. Surtout moi, je supporte ça, je ne cache pas. Je supporte l'équipe nigériane face à l'Algérie parce que vraiment, nous voulons que cette coupe vienne en Afrique de l'Ouest. Parce que même si les autres équipes sont à éliminer, mais quand même, nous souhaitons que la coupe de cette année vienne en Afrique de l'Ouest. Soit
le Sénégal, mais surtout si le Sénégal gagne, ça serait très très bien parce qu'ils le méritent. Ils ont bien joué dans tous leurs matchs et s'ils arrivent encore à décrocher cette coupe, ça serait une très très bonne chose. J'espère pour le Nigeria aussi, ils vont se qualifier. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se reprend très prochainement pour une autre vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, surtout mettez-moi en commentaire vous aussi si vous avez regardé le match, vos impressions, qu'est-ce qui vous a marqué, et vous me mettez en commentaire et surtout likez la vidéo et partagez surtout avec vos amis. On se reprend très prochainement. Merci.